bonsoir. Vous ne me reconnaissez pas. Qui je suis? Mettons que je suis celui que vous nommez le destin. Vous me voyez tout autrement dans vos rêveries d'homme. Vous m'imaginez gigantesque, tenant dans mes mains les fils de votre vie que j'embrouille, agite et tranche à ma guise. Quelle erreur! Vos vies, c'est vous seul qui en êtes les maîtres. Vous les menez bien ou mal, je n'y peux rien. Moi, je regarde, j'enregistre, et à la fin, je fais le bilan. Regardez les trois visages de femmes qui vont apparaître. À des siècles de distance, elles se sont trouvées placées devant un même problème, la guerre, comme leurs destins furent différents. Élisabeth, votre contemporaine, en fut la victime. Jeanne sut la faire. Lysistrata réussit à la vaincre. Trois femmes, un même drame, trois destinées. Tout de suite une voiture. Certainement, à la sortie. Bonjour, madame. Bonjour. Je suis le gardien. J'ai eu ce poste parce que je suis un ancien combattant de la Première Guerre. C'est beau ici, n'est-ce pas? Oui, c'est très beau. Est-ce qu'il vient beaucoup de monde sur les tombes des soldats? Oh, mon Dieu, on a eu pas mal de visites, oui. Celui-ci, son père et sa mère sont venus le voir en 49. Et celui-là... Sa femme a dit qu'elle allait revenir le chercher. Il y a 6 ans bientôt. Bon, on l'attend toujours, elle s'est peut-être remariée. Après la guerre, leurs femmes sont venues tout de suite. Puis le temps a passé, 8 ans c'est long. Maintenant, il y a que les mères qui viennent encore. Antonio, lui, on n'est jamais venu le voir jusqu'ici. Antonio? Anthony, en anglais. Nous, on l'appelait Antonio. Vous venez pour lui? Vous êtes une parente. Vous êtes sa sœur, peut-être. Je suis sa femme. Vous êtes l'épouse d'Antonio? Oui, monsieur. Je vais le ramener en Amérique. Un fourgon viendra de Rome demain matin. J'ai enfin réuni les papiers qui étaient nécessaires. Tout cela a demandé des années.
On hésite moins à envoyer un homme se faire tuer. Autoriser sa femme à le ramener. Alors vous allez emmener Antonio? Vous connaissiez mon mari? Les autres ne sont que des noms. Antonio, lui, je l'ai connu, je l'aimais bien. Tout le pays connaissait Antonio. C'est la première fois que je parle à quelqu'un qui l'a vu avant que... Après son évasion du camp allemand. Où s'est-il caché? Où, chez vous? Non, mais on se voyait et on bavardait souvent ensemble. Qu'est-ce qu'il pensait? Qu'est-ce qu'il disait? C'était un brave garçon, il racontait des blagues, il était sympathique. C'est vous qui avez déposé les fleurs? Non. Non. Mais elles sont toutes fraîches. On voit bien que ces fleurs sont d'aujourd'hui. Qui a fleuri sa tombe? Mais j'en sais rien, moi. Il en passe des gens ici. Tout le village aimait Antonio. Ah, quelqu'un a dû penser à lui. Antonio était un brave garçon. D'ailleurs, c'était tous des braves types. Mais c'est la guerre qui est mauvaise. Monsieur, dites-moi, où se cachait mon mari? Ben, dans une ferme. Celle d'Escani, là-haut. Merci. Pas de quoi. Vous avez été très gentil. Voulez-vous avoir l'obligeance de dire au chauffeur de venir me prendre là-haut, dans une heure? Alors vous y allez? Oui. Oui, c'est là. Excusez-moi. Je suis la femme d'un soldat américain qui est enterré là. Un officier, le capitaine Whitefield. Vous êtes Elizabeth Whitefield. Il nous parlait beaucoup de vous. Alors vous êtes sans doute Mademoiselle Ascani. Oui, Angela. Vous deviez être une enfant à l'époque. Non. J'avais 17 ans. Oui. C'est bien ce que je pensais. Écoutez, je n'ai jamais pu savoir exactement ce qui s'est passé. Aucun de ses camarades de guerre n'a pu me donner le moindre détail. Tout ce qu'on a pu me dire, c'est que Tony s'était évadé alors qu'il était prisonnier et puis qu'il a tenté de passer les lignes ennemies. Vous voulez voir la maison? Oh oui, merci. J'espère que vous pourrez m'apprendre quelque chose de plus. Essayez de vous rappeler. Je voudrais tant savoir. Un soir, très tard, j'étais sortie pour prendre de l'eau au puits. C'était l'hiver. En février 1944, j'ai vu un homme qui se cachait là. Et j'ai appelé ma mère. Elle lui a dit tout bas, venez. Venez, il ne faut pas rester là. Mais lui, il ne comprenait rien. Alors j'ai dit, peut-être qu'il veut de l'eau. Et ma mère m'a dit, non, pas de l'eau, il veut du vin. Alors il a répété, du vin, oui. Il a souri, et ma mère aussi. Et nous l'avons transporté jusqu'à la cuisine près du feu. Il faisait très froid cette nuit-là? Non, mais il était tellement faible. Il perdait du sang, le pauvre. Il se traînait, alors... C'était grave? Oh, une blessure au-dessous du genou. Mais il avait une barbe longue, comme un vieux. Et il mourait de faim. Il a mangé tout ce qu'il y avait dans la cuisine. Il n'a rien laissé. Mais il venait souvent s'asseoir sous cet arbre-là. Voulez-vous entrer, madame Whitefield? Je vous en prie, ne m'appelez pas, madame. Bon, comme vous voudrez. C'est là qu'il s'est endormi le premier soir.
Est-ce que votre mère est toujours avec vous? Je l'ai perdue l'année dernière. Alors c'est vous qui vous occupez de la ferme toute seule? De la maison, des bêtes, ça doit être dur. Et qui pourrait m'aider? Vous êtes toujours à New York? Oui. 82e rue Est? Vous connaissez l'adresse? C'était l'appartement de Tony quand il était garçon. C'est toujours là que nous avons vécu depuis notre mariage. Et après son départ, j'ai tenu à ce que tout reste en place. Comme s'il allait revenir. D'un long voyage, tout simplement. Une fois, au milieu de la nuit, je me suis éveillée. Et j'ai vu de la lumière sous la porte du bureau où autrefois il travaillait. La bonne avait oublié d'éteindre par temps. Pendant un moment, j'ai cru que... Mais vous saviez pourtant. Et oui, je savais. Excusez-moi, je ne bois jamais de vin. Belle. Il le disait tout le temps. Vous ne vous êtes pas remariée? Non. C'est pas drôle pour une femme de rester seule. Je ne suis jamais seule. Vous avez encore vos parents? Non, mais j'ai tous ces livres, toutes ces lettres. Il m'écrivait tous les jours avant qu'il soit prisonnier. C'était la première fois que nous étions séparés après 6 ans de mariage. Vous regardez souvent ces photos, sans doute? Non. Je me le rappelle trop bien. Le vieux gardien m'a dit tout à l'heure qu'il n'y a que les mères qui reviennent au cimetière, rien que les mères, pas les femmes. Mais je ne comprendrai jamais toutes ces femmes qui ont si vite recommencer ailleurs une autre vie. Pour moi, Tony, c'était... Vous ne pouvez pas savoir. Jamais je ne l'oublierai. Je serais laissé mourir une seconde fois. C'est vrai. Oh, j'ai tort. Je dois sûrement vous ennuyer, Angela. Non, croyez pas ça surtout. C'est bon de se confier. Chaque femme voudrait bien parler de ses peines. Oui, vous avez raison. Il y a quelqu'un ici? Excusez-moi, je vais voir. Un instant, je vous prie. Asseyez-vous, ne vous gênez pas. Faites comme chez vous. C'est bien ici que je dois venir chercher une dame? Oui, elle est là. Attendez un moment, je vais la prévenir. Angela, je voudrais vous demander quelque chose. J'aimerais bien passer la nuit ici. Mais c'est que j'ai peur que vous ne soyez pas assez bien. Ça n'a aucune importance. Et puis vous n'êtes pas habitué. Non, croyez-moi, il y a une auberge, une bonne auberge au village. Je vais vous y conduire. Je vous en prie, gardez-moi ce soir. Je voudrais tant rester. Le lit est dur, nous n'avons pas d'eau ni de lumière. Vous n'êtes pas habituée, madame. Tony s'en est bien contenté. Je vous en prie. Je vous en prie, Angela. Dites au chauffeur de ne revenir que demain matin. Merci. J'étais sûre que vous ne refuseriez pas. Ah,
j'ai oublié. Je dois descendre au village. Pourquoi ne venez-vous pas aussi? Comme ça, vous verrez le pays. Non, je n'y tiens pas. Je préfère attendre ici. Bon, comme vous voudrez. Qu'est-ce que tu fais ici? Eh ben, joue, pardi. Mets-toi là et regarde. Maintenant, je vais tirer. Pourquoi restes-tu là enfermée? Maman m'a dit de pas bouger. Elle a fermé la porte et elle est sortie. Maman? Oui. Mais... Comment, maman? Angela? Ben oui. Ces deux-là, ils sont morts. Morts? Ben oui, c'est des soldats. Comment tu t'appelles? Moi, Antonio. Oh, tu joues pas à cela. C'est pas beau, ce jeu-là. Faut pas jouer à la guerre, c'est vilain. Faut pas. Pourquoi tu pleures? Qu'est-ce que je t'ai fait? Rien. Voilà maman. Faut pas dire à maman que tu es venue ici, hein? Non. Je lui dirai rien. La 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 la. Tu es bien sage. Oui. Embrasse maman. Tu as joué avec tes petits soldats. Oui. Ne fais pas de bruit, parce qu'il y a une dame qui est là. Regarde ce que t'as apporté, maman. C'est bon, ça. Je vous ai fait attendre. Vous savez pourquoi? Je voulais quelque chose. Et les piscines n'en trouvaient pas. Je l'ai fait chercher partout, remuer toute la boutique. Et enfin, il en a trouvé. Du thé. Vous l'aimez? Parce qu'il l'aimait, lui. Autant que le vin? À la maison, il n'a jamais bu de vin. Alors c'est ici qu'il a commencé à l'aimer. Vous êtes fatiguée, je crois. Oui, je me sens lasse. Je dois aller au cimetière demain matin. Il faut que j'y sois très tôt. Pourquoi? Je suis venue pour ramener mon mari. Ah. Je vous réveillerai de bonne heure. Soyez tranquille. Venez, madame. Thank you.
Je vous préviens, le lit est dur. Ça n'a pas d'importance. Mes parents dormaient ici. Vous ne reprenez pas la lampe? J'en ai pas besoin, je m'arrangerai. Bonne nuit. Vous aussi. Chercher un verre d'eau. Je vais y aller. Ne sortez pas, il pleut trop dehors. Je l'apporterai dans la chambre. Merci beaucoup. Je n'avais plus besoin de rien, alors je vais me coucher. Angela, un instant. Asseyez-vous. Vous n'avez rien d'autre à me dire de Tony. Il avait appris à parler italien? Oui. Quelques mots. Madame Elisabeth, c'est pas bien de... Qu'est-ce qui n'est pas bien? Oh, comment vous dire? C'est pas bien de trop penser, de trop se creuser la tête. Vous ne croyez pas que j'ai le droit de savoir? Maman! Allons, allons, Antonio, mon chéri. Pas peur de Laura, maman est là. Là, maman est avec toi. Non. Couchez-le ici. Assis, chérie, fais dodo. Là, c'est fini, il faut dormir. Ne pleure plus, Antonio. Oui, il s'appelle Antonio, comme lui. Sois sage. Pourquoi avez-vous essayé de me mentir? Si je n'étais pas entrée dans l'étable tout à l'heure, je n'aurais peut-être jamais rien su. C'était mieux pour nous deux. Pourquoi? De quoi pouviez-vous avoir peur? Tout faire de la peine. Durant toutes ces années, j'hésitais. J'hésitais à venir, c'était comme si... Comme si j'avais eu un pressentiment. C'est pas moi qui vous ai pris, Tony. C'est la guerre. Ce n'est pas la guerre, tout de même, qui vous a poussé dans ses bras. Je n'ai jamais aimé Antonio. N'essayez pas de me mentir encore. Vous avez vécu 3 mois ensemble. Je ne l'aimais pas. Vous me jugez mal, mais vous ne savez pas comment tout ça est arrivé. Aujourd'hui, la vie a repris. À ce moment-là, il y avait la mort partout. C'est la nuit du 12 mai que les Allemands ont battu en retraite.
Et Antonio n'a pas cherché à passer les lignes. Comment? Non, il ne pouvait pas. Sa blessure ne lui permettait pas de marcher. Et quand il s'est décidé, c'était trop tard. Cette nuit-là, jamais je ne l'oublierai. Ma mère et moi, on s'y attendait. Depuis des mois, on savait que les Américains allaient attaquer et forcer les Allemands à la retraite. Les Allemands savaient qu'il y avait des bêtes et des provisions dans les fermes. Ils emportaient tout avec eux. Ils allaient aussi venir chez nous. Et en fouillant la maison, ils allaient trouver Antonio. Moi, j'avais qu'une idée. Faire fuir Antonio. Si j'avais pu le faire descendre du grenier... Et il fallait faire vite. Je ne me suis trouvée seule avec Antonio que ce soir-là. Rien que ce soir-là. Et le lendemain, il a été tué en essayant de passer les lignes. Voilà, Elisabeth. Vous vouliez savoir. C'était un pauvre homme, c'est tout. Comme lui, comme son enfant. Emmenez votre mari. C'est juste, sa place n'est pas ici. Parce que... Parce que... Antonio n'aimait que vous. Chaque fois qu'il y a de l'orage, le petit devient nerveux comme ce soir. Le gardien du cimetière dit que c'est un enfant de la guerre. Angela. Donnez-le-moi. Que je vous le donne? Laissez-moi l'emmener lui aussi. Je ferai ce qu'il faudra, je l'élèverai bien. Je l'enverrai dans les meilleures écoles. Il sera heureux, il ne manquera jamais de rien. Dites-moi que vous me le laissez. Je suis sa mère. Et vous ne pouvez pas me le prendre. Bonjour, madame. Vous aviez raison.
Ils étaient tous de braves garçons. Tony, lui aussi. C'est la guerre qui est mauvaise. Quand le fourgon viendra de Rome, vous direz au chauffeur que le capitaine Whitefield va rester ici au milieu de ses camarades. Et près de son fils. Bien, madame. Elisabeth a choisi la résignation. C'est une vertu quotidienne, un habit de tous les jours. Elle porte le demi-deuil des femmes meurtries par le conflit des hommes. À l'inverse, Jeanne, elle, a voulu intervenir. Elle a pris les armes à son tour. Regarde, Jeanne. C'est encore ceux de Paris qui sont venus les tuer, ces pauvres gens. Parce qu'ils étaient mes amis. Il y a combien d'églises dans Paris, Pacquerel? 80. Tant d'églises. Et dans toutes ces églises, on prie Dieu contre moi. J'aimerais mieux ne pas avoir Paris contre moi. Il y a trop d'églises. J'en ai assez! J'en ai assez! J'en ai assez! Ça devait arriver! Oui, j'aurais dû aller à pied. Seulement, j'étais trop fatigué. Il y a de quoi? Moi, j'en peux plus et je crève de faim! Tu ne penses qu'à ton ventre. Et toi, pas assez à celui des autres. Eux aussi, ils en ont assez. Seulement, moi, je suis ton frère. Alors qu'au moins, pour une fois, ça me sert à quelque chose. J'en ai assez, je te le dis. J'entends, Pierre. Pourquoi tu cries? Parce que j'en ai assez. Eh bien, tu peux nous laisser, on ira sans toi à Compiègne. Oui, vous irez sans moi à Compiègne. Et le roi sera content de te revoir. Le roi? Le roi qui t'avait défendu d'y aller. Merci, je tiens pas à être pendu. Vous ne seriez pas pendu maintenant qu'il vous a fait gentilhomme. Vous seriez décapité. Moi, je serais pendu si je retournais. Seulement moi, je continue. À votre guise. Mais toi, Jeanne, je te le dis une dernière fois, comme je te l'ai déjà dit. Je retourne chez les parents. Ils te pardonneront si tu reviens. Mais je te le dis, Jeanne, c'est la dernière fois. Alors, Pierre, pour la dernière fois, je te dis non. Eh bien, j'y vais. Pardon. Dans un cas semblable, les chevaux sont à tout le monde. Ceux qui se séparent le font à leur risque. Et où voulez-vous que j'aille à pied? Ça vous regarde. Prenez celui-ci, si vous voulez. Sinon, je l'abattrai, il vaut pas mieux. Et si je suis attaqué, moi? Vous vous défendrez, vous. Pacquerel, mon épée. Vous n'allez pas me laisser partir sans cheval? Et si je les rencontre, moi, les Anglais, qu'est-ce que je peux faire sans cheval? Vous vous sauverez à pied, vous.
Enfin, vous ne laisseriez pas un chrétien aller à pied dans ce pays? Et toi, Jeanne? Sainte-Catherine, Sainte-Marguerite, Saint-Michel, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que c'est bon pour moi d'y aller à Compiègne? Sainte-Catherine, Sainte-Marguerite, pourquoi ne me parlez-vous plus? Êtes-vous fâchée contre moi? C'est parce que je vais à Compiègne? Vous n'avez plus le droit de vous taire quand vous m'avez parlé si longtemps. Aujourd'hui, vrai, je ne sais plus quoi faire. Oh, mes voix, mes voix. Si je dois m'arrêter, ça au moins il faut me le dire. Vous savez bien que toute seule, je ne m'arrêterai jamais. Si vous ne voulez plus venir, dites-le moi. Je ne vous appellerai plus, mais venez au moins me dire adieu. Des chevaux, on savait pas que c'était à toi. Toujours voleur. Ah non, c'est pas pour moi les chevaux, c'est pour le capitaine. Quel capitaine? Ah, toujours Barretta. Barretta? Il est ici? Ça, c'est une bonne nouvelle. Donnon! Barretta est ici! Bonne nouvelle pour vous, Jean d'Église! La pucelle arrive! Là? Dehors? Ouais, elle dit qu'elle a du travail pour nous. On va repartir? T'es pas toi, mignonne. Parce que rappelle-toi qu'elle n'aime pas trop les putains. Bah alors qu'est-ce que je fais, moi? Tu t'habilles et tu fais mon bagage, et vite. Parce qu'avec elle, si on part, ça ne prendra pas. Puis elle peut quand même pas passer sa vie à faire l'amour. Il a brûlé notre couvent. Il nous laisse travailler comme deux chiens devant sa porte. Demandez pitié pour nous. Il vous écoutera, vous. Qu'il nous donne au moins à manger. N'ayez plus peur, mes amis. Maintenant que je suis ici, plus personne ne vous fera tort. Voleur, écorcheur, incendiaire, chauffeur de pied. Jeanne, toi qui amenais les armées du roi. J'ai beaucoup à faire et je prends qui je trouve. Alors, t'as trouvé un galant? C'est comme ça que tu parles à ma sœur? Oh, bon! Alors c'est toujours madame la Sainte Vierge. Je te défends de parler de la Sainte Vierge. Elle est au putain comme aux autres. Et c'est pas toi qui commandes. Ça pourrait venir. Ne l'écoute pas, Jeanne. Je t'apprendrai les manières, moi. Oh! Et voilà! Si ça t'amuse, toutes les bonnes femmes, oh, je me confesse avant et après. Elle a raison. Il faut de la tenue dans une armée. Content de te voir, Jeanne. Chose sérieuse d'abord. Tu as faim?
maintenant. Ah bah, pardon. Ah, c'est vrai. Ça sonne la creux. Donne-leur tout ce qu'ils veulent. Tu as tant d'hommes que ça. Plus de 50 chevaux, ma pucelle. 48 arbalétriers, des archers, deux trompettes, des armes, des munitions. Ça t'intéresse? Peut-être. Allons, allons, debout. Debout, je ne veux pas qu'on se mette à genoux. Oh, la pucelle. Tu connais Kennedy, mon écossais? Ah, c'est bien toi qu'on appelle bien pour un sou. Pour un penny, ça vaut beaucoup plus qu'un sou. Et pourquoi vous êtes ici? Mais justement. Ce serait pour aller où? À Compiègne. Ah, pourquoi Compiègne? Parce que les Anglais veulent prendre Compiègne et je ne veux pas que les Anglais prennent Compiègne. Oh, moi non plus, tu penses? Compiègne. Avec elle, tout de suite. Quand pouvez-vous partir? Quand tu seras posé. Je ne suis pas fatigué. Alors, le temps de charger les bagages et de sceller les chevaux et de nous mettre d'accord. Mais ça, je ne sais pas si tu te rappelles mon prix, jeune. Ben, tu as vu mes hommes, une vraie petite armée. Chaque à la semaine, 4 livres parisis, 4 vaches, 4 sacs de blé, 2 demi de vin, réglé d'avance. Tu es un petit peu plus cher que l'an passé, Barretta. L'hiver a été mauvais. Oh, d'ailleurs, ça n'a pas d'importance. Je n'ai pas d'argent. Ne vous inquiétez pas, Compiègne paiera tout. Compiègne, Compiègne. Nous n'y sommes pas à Compiègne. Allez d'abord chercher la monnaie. Tu es bien exigeant, viens pour un sou. Je viens pour un sou, mais je veux voir le sou. Et puis aussi, pourquoi le roi t'a laissé partir sans argent? Je ne viens pas de la part du roi. Ah. Bon, 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 bon. Bon, alors, comme ça, le roi sait pas que t'es en route. Non. Le roi se repose. Eh ben, c'est une bonne chose de se reposer. Ça ne fait pas de mal, ça donne des forces. On a toujours bien le temps de se battre. Vous, peut-être, vous avez le temps. Moi, non. Parce que Dieu m'a envoyé pour aller vite et pas pour me reposer. Barretta. Mais toi, Kennedy. Ça ne serait pas la peine que j'ai commencé. Donnez-moi le temps de finir. Tant qu'il y aura un Anglais sur la terre de France, je ne me reposerai pas, moi. Je m'arrêterai quand ils seront tous partis ou enterrés. Et alors, vous aussi, vous partirez. Et tout le monde sera content. Parce que la terre de mon pays n'est pas faite pour nourrir des soldats. Elle est faite pour nourrir ceux qui labourent, ceux qui sèment, ceux qui moissonnent. Eh ben merci alors, qu'est-ce que nous deviendrons, nous? Vous irez vous battre contre les Turcs. Oh, c'est trop loin. Alors venez à Compiègne. Non, Jeanne. Cherche quelqu'un d'autre. Tu n'as plus confiance en moi, Barretta? Toi qui étais avec moi depuis Orléans? Mais dans ce temps-là, tu criais Jésus-Marie, tu jetais un peu d'eau bénite dans les fossés et les Anglais foutaient le camp. Je n'ai jamais fait ça. Oh, garde tes secrets. Je n'ai pas de secrets. Vous entendez bien des voix, tout de même. Je les entends toujours. C'est bien vrai, ça? Si tu ne me crois pas, je n'ai pas besoin de toi. C'est que tu es du côté du diable et du côté des Anglais. Mais écoute, Jeanne. Je veux bien ne pas entendre tout de suite le bruit de tes écus. Mais au moins, fais-moi entendre un tout petit morceau de tes voix pour me donner confiance. Ici, dans cette chambre. Je suis bon chrétien, moi aussi. Demande-leur juste une petite parole, pas plus. Et j'y vais. Je ne veux plus de toi. Don't get upset, John. Il n'y a jamais rien à faire avec les gens du diable. Mais quand le bon Dieu ne marche plus, on est bien content de les trouver, les gens du diable. À ta guise. Il y a tout de même de l'argent à Compiègne. Avec un peu de chance, on y arriverait peut-être à Compiègne. Mais elle n'a plus la chance, imbécile. C'est dommage. En route. Elle s'en va. Non, je ne veux pas.
Alors, où est-ce qu'on va? Chacun où il veut. Bon, ben, j'ai pas changé d'avis. Je rentre à la maison. Eh bien, vas-y. Ton avenir est fait. Maintenant que tu es gentilhomme, tu te marieras très bien. Et peut-être moi aussi, je me marierai très bien. J'aurai des enfants. N'essaie pas de rire, Jeanne. Et pourquoi j'en aurai pas des enfants? As-tu besoin de pucelles, maintenant? Je suis plus bonne à rien. Mais si, Jeanne. Non, il ne croit plus en moi. Il faut pas m'en vouloir, Jeanne. Le métier, c'est le métier. Qu'est-ce que tu veux? Je vous demande de venir prier avec nous pour mon petit qui est mort. Il est pas encore enterré, celui-là. Il va nous donner la peste. C'est vous, la peste. Laisse-toi. Et le curé ne veut pas qu'on l'enterre au cimetière. Pas étonnant, il n'est pas baptisé. Mets-le dans un trou et qu'on n'en parle plus. S'il est mort sans baptême... Oui, je sais bien qu'il ne peut pas aller au paradis. Mais ça n'est pas juste puisqu'il n'a rien fait de mal. Venez prier Dieu avec nous pour qu'il le prenne quand même chez lui. Il vous écoutera, vous, puisque vous lui parlez comme je vous parle. Vous, vous pouvez bien faire ça. Non. Eh bien, allez-vous-en. Mes prières ne sont pas meilleures que les vôtres. Si! Non! Alors qu'est-ce que vous êtes venu faire ici? Allez-vous-en. J'y vais. Si vous priez pour rien, tant pis. On aura tout fait puisque Dieu vous donne tout ce que vous demandez. Je sais bien que non. Pourquoi est-ce qu'ils croient en moi, ceux-là? C'est des autres que j'ai besoin. Ceux-là, j'ai pas besoin d'eux. Mais eux ont besoin de toi. Bon. Sainte-Catherine et Sainte-Marguerite et vous, Saint-Michel, vous ne faites plus rien pour moi. Mais je vous prierai encore pour l'âme de ce petit enfant. Intercédez pour qu'il entre au paradis. Priez aussi, vous autres. Je ne vous appelle pas pour la guerre, ni pour mon roi, ni pour le royaume de France, ni pour ma gloire, ni pour le bon succès de mes armes. Seulement pour l'âme de ce petit enfant. Si vous exaucez mes prières, personne ne le saura. Vous voyez bien que je ne suis pas une orgueilleuse. Je ne demande rien pour moi. Mais sauvez ce petit pour que sa mère et tous ces pauvres gens le retrouvent quand ils iront au paradis. Ainsi soit-il. Vous voyez bien qu'il n'était pas mort. Si, il était mort, je vous dis, moi. Si, il était mort. Il était mort. Non. Non, non. Mais je sais bien, moi, qu'il était mort. Il a faim. Baptise-le, vite! De l'eau! Vite! Vite, de l'eau! De l'eau! Vite! De l'eau! Vite! Vite! Elle a ressuscité! C'est un miracle! C'est un miracle! C'est un miracle!
Jeanne. Et sa marraine. Charles, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ainsi soit-il. Ne pleurez pas. Il est au ciel. Est-ce que ce sont mes mains qui ont fait ça? C'est Dieu par tes mains. Jeanne, ma Jeanne, toi avec le bon Dieu, moi avec mes bons hommes, on ne se quitte plus. Et si je te disais non? Oh là là! T'avais trop envie d'y aller à Compiègne! Vous êtes revenue. Oui, c'est moi, Catherine. Pourquoi ne me parliez-vous plus? Je vous avais fâchée. Nous ne t'avons jamais quittée, Jeanne. Oui, c'est moi, Marguerite. Même quand vous ne me parliez pas, vous étiez là. Toujours, Jeannette. Comme je vous entends bien. Parlez-moi encore. Sois forte, Jeanne. Oh, je suis tellement forte maintenant. Je n'ai plus peur. Va à la bataille, Jeanne, et ce sera la dernière. Pourquoi la dernière? Tous les Anglais partiront après? Non, Jeanne. Il faudra encore beaucoup de batailles. Mais pour toi, ce sera la dernière. Parce que j'y mourrai. Non, Jeanne. Parce que tu seras prise avant la Saint-Jean. Quand? Je voudrais tant savoir. C'est pas permis. Tu ne sauras ni le jour, ni l'heure. À Compiègne? Au moins si je suis prise. Que je n'aille pas en prison. J'aime mieux être tuée tout de suite. Quand tu voudras, Jeanne. Barret, donne-moi une épée, une solide, pour leur donner de bonnes puffes et de bons torchons. C'est bien, Jeanne, c'est bien. Tiens, prends la mienne. Fais sonner le départ. Fais sonner! Sonnez! Encore et encore, parce que j'aime mieux mourir d'aller dans la prison des Anglais. Fais-moi une place, toi! J'ai besoin de toi, il y a tout ce qu'il faut à Compiègne. Oh!
Ainsi, Jeanne accomplira-t-elle jusqu'au bout le choix qu'elle a fait d'un destin sublime. Entre cette vocation exceptionnelle et la mélancolie familière d'Elisabeth, la légende nous fournit maintenant une troisième réponse. Pourquoi la femme n'emploierait-elle pas en temps de guerre cette arme secrète qu'elle pratique fort couramment en temps de paix, le caprice? Voici le dénouement souriant auquel vous invite une antiquité aussi frivole que sage. Mentir n'est pas athénien. Le mensonge est l'arme secrète de Sparte. Ah, ne tourne pas davantage autour de l'amphore. Et dis-nous plutôt ce qu'est devenu le général Callias. A-t-il attaqué? Recule-t-il? Avance-t-il? Nous sommes sans nouvelles. Pas de nouvelles, bonne nouvelle. Que sais-tu de lui? Qu'il est de tous nos généraux le plus vaillant, le plus expérimenté et le plus prudent. Et que c'est trahir la République que de douter du triomphe de ce grand capitaine. Très bien. En ce moment, sois-en sûr, Callias poursuit l'ennemi et la Grèce lui devra son salut, car Pallas protège Athènes. Vive Callias ! Vive la guerre ! Vive Callias ! Vive la guerre ! Pallas avec nous 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 ! Plus de 60 ans que nous sommes en guerre contre Sparte. Plus de 60 années que nous défendons la liberté contre ceux qui veulent asservir les autres. C'est sans doute pour cela que nous avons été vaincus à Tanagra, à Dalion, à Mantinée, à Syracuse et en Égypte. Imbécile! Les défaites dont tu parles ne sont que des victoires déguisées, des victoires à retardement. Des défaites préméditées par nos stratèges pour déconcerter l'ennemi. Ne cédons pas de pénétrer les secrets desseins de nos grands capitaines. On croit qu'il recule, il se replie. Qu'il batte en retraite? Non, il se retire sur des positions préparées à l'avance. L'art militaire est une tactique pleine de contradictions. Les chemins trompeurs de la défaite mènent le plus souvent à la victoire finale, imbécile. Callias? Callias. Eh bien, Callias parle. Hein? Que nous apportes-tu? Ah, la victoire. Valeureux Callias, raconte-nous notre victoire. Ma victoire est complète. Oh. Ah, j'ai chassé l'ennemi au-delà du canal de Corinthe. Oh. Tous ceux qui n'ont pu fuir ont péri. Et de ceux qui ont souillé le sol sacré de la patrie, il ne reste que des morts. Mais tu es vainqueur. Mais les vaincus, s'avouent-ils battus? Leurs cadavres puent leur défaite. Sans doute, Sparte va-t-elle nous envoyer un ambassadeur. Pourquoi faire? Pour signer la paix. La paix? La paix? Oh, quelle oh, paix? Bon, voilà une idée. Nous avons gagné une bataille, mais nous n'avons pas gagné la guerre. Ouais. La paix? La paix? Tout de suite les grands mots. La parole est à Callias. Je ne suis venu ici que pour vous informer de la victoire et recevoir les ordres du peuple athénien. Quels qu'ils soient, je les exécuterai. Voilà qui est parlé en chef. Si nous voulons vraiment la paix,
Nous devons nous battre jusqu'au dernier spartiate. Plus d'ennemis, plus de guerre. Alerte! À moi! À moi! Alerte! Au secours! Alerte! À moi! Regarde à moi! Qu'est-ce qui se passe? Oh, quel métier! Eh bien, que se passe-t-il, vaillant Georgias? L'ordre public, il n'y en a plus. La rue est à l'émeute. Heureusement que j'ai eu l'idée de fuir. Il pourrait y avoir des meutes. Le peuple est à la guerre. Je les ai entendus, de mes oreilles entendues. À mort Georgias, à bas la police. Me dire ça, à moi. Ah, Callias, enfin, vous êtes là. Mais vous arrivez bien. Eh bien, il faut agir, oui. Vite. Général Callias, dispersez-moi cette canaille. Vite. À vos ordres. Alors vite. Va. Où sont-ils? Ils viennent, ils arrivent. Hein? Leur troupe de Dalais marche sur l'Assemblée. Qui les commande? Ta femme. Bon. Les Istrata. L'armée avec Sparte, les hommes au foyer, les hommes au foyer. Es-tu folle? Mon amour, vivant, tu es vivant. Eh bien, c'est toujours ça, chérie. Je me souviendrai de ton accueil. Mais comment aurais-je pu deviner que c'était toi? Je te croyais si loin. Je t'ai reconnu à ton cheval. Enfin, vous êtes là tous les deux, c'est merveilleux. Alors c'était donc vrai, tu provoques des émeutes depuis maintenant. Depuis quand es-tu là? Ignores-tu que toutes ces visions... Oh, je suis heureuse de t'avoir près de moi. Sais-tu, malheureuse... Amour, suis-je toujours à ton goût? Oh, ma fleur, suis-je toujours ta petite abeille? Par Cérès, me répondras-tu, que fais-tu ici, hein? Oh, par Apollon, me fermeras-tu les lèvres? Par Hermès. Idiote. Encore. Idiote, voilà. Maintenant, on peut respirer. Alors, raconte, la guerre, les Spartiates. Battu. Non. Oh, mon pauvre amour, je savais par l'oracle que ça finirait ainsi. Et qu'Athènes succomberait sous le nom. Mais non, voilà des idées. C'est moi qui ai battu les Spartiates. Moi, Callias, moi. Mais pourquoi tu ne le disais pas tout de suite? Non. Tu les as battus, toi? Oh, c'est trop gentil. Mais alors, si tu es vainqueur, la guerre est terminée? Non, elle continue. Bah alors tu n'es pas vainqueur. Si, mais ils veulent que j'aille jusqu'au bout. Jusqu'au bout de quoi? Ce que je sais, mais où que ce soit, j'irai. Et si je refusais de te laisser partir? Non, la question ne se pose pas. La femme d'un général doit, comme lui, se soumettre aux nécessités de son état. Mais alors tu ne m'aimes plus. Oh, mais je t'aime plus que moi-même. Plus que la guerre? Plus que la gloire. C'est ton image, Lysistrata, qui me soutient dans le tumulte des combats. Mourir pour Athènes, mais vivre pour Lysistrata. Telle est ma règle de conduite. Mais va. Avant 10 ou 15 ans, la guerre sera terminée. Alors, mon chéri, j'aurai 10 ou 15 ans de plus. Non, mais non. Mais qu'importe, puisque je t'aimerai comme au premier jour. Mais oui, ma chérie.
tu viendras me voir quelquefois. Tous les deux ou trois ans. Pardon, non. Comme aujourd'hui. Entre deux victoires. Et tu repartiras aussitôt. Quelle merveilleuse existence que la nôtre. Nous n'aurons que des souvenirs d'absence. Mais non, chérie. Laisse-moi rêver sur ton épaule. On est si bien sur ton épaule. On y passerait sa vie. Oui. Quand repars-tu, mon chéri? Demain, sans doute. Demain à l'aube. Seulement? Oh, nous aurons donc toute cette longue nuit pour nous aimer. Oui. Cette nuit, le vainqueur de Sparte sera ton prisonnier. Mon prisonnier? Mais tu l'es, mon chéri, tu l'es. Qu'est-ce que ça signifie? Veux-tu me délier tout de suite? Et où m'entraînes-tu? Je viendrai te chercher, mon chéri, aussitôt que la paix aura éclaté. Partez, Méter, je te punirai de ta perfidie et tes fesses en cuiron. Sois bien sage et ne t'éloigne pas, hein. Lysistrata! 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 Et nos vaillants guerriers victorieux entreront dans Sparte. Sparte prise et détruite, nous nous tournerons vers la Macédoine. Conquête facile pour Athènes. Et les dieux qui nous protègent, puisqu'ils sont athéniens, nous disent... À bas la guerre, canaille! Qu'est-ce que ça dit? Nous voulons la paix! Allez, 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 allez! Sortez de là! Nous voulons la paix! Bon! Mais, oh, alerte! Mais, au secours! Cabale! Cabale! Oh, oui, oui! Cabale! Tiens! Chasse, mais fou! Chasse! Prenez-vous! Restez ici! Restez ici! Faites votre devoir! Arrêtez! Oh! Vous êtes un... des panthères! Ces femmes sont des panthères! C'est inadmissible! Sommes-nous les maîtres, oui ou non? Qui commande ici? Ma femme! Vas-tu sortir d'ici? Mérine, écoute-moi, écoute-moi, Mérine! Sors! Oui, oui, Mérine, je sors! Non, mais alors, non. Mais qu'est-ce qui commande oui. ici? Veux-tu filer à la maison? Je vais à la maison! J'ai des filles à la maison! C'est un complot! Force restera à la loi! La loi, c'est moi! Un mot de plus et je vous étripe et je vous sers en ragoût à mes chiens. Arrière, crapule! Arrière, bête sur pied! J'élève une protestation solennelle! Tais-toi, ulcère! Oh, ulcère! Moi? Silence! 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 Alors, assez! Un peu de silence! Silence! Silence, toi, là-bas! Oh, mais là, mon Dieu! Jamais fait ça! Silence! Quoique femme, je n'ai pas la langue aussi bien pendue que les bavards professionnels qui pérorent habituellement dans cette enceinte. Pour le plus grand malheur de la cité. Oh, femme, créature superficielle et vaine, n'insulte pas la patrie. Que veux-tu? Je veux la paix, crétin. Et c'est au nom des femmes d'Athènes que je parle. Nous sommes las de cette guerre stupide, de ces défaites, de ces victoires alternées. Nous avons assez de héros, assez de morts, assez de gloire, assez de personnages historiques. Vivre heureux, faire l'amour tranquillement, en prenant tout notre temps. Voir nos maris ou nos amants vieillir naturellement. Mettre au monde des enfants pour en faire de vieux vivants et non de jeunes cadavres. Parler de l'avenir comme d'une chose possible. Voilà ce que nous demandons. Non aux dieux, mais aux hommes. Qui pourraient être des dieux s'ils le voulaient? On vient de battre l'ennemi. Nous exigeons la cessation immédiate des hostilités. À bas la guerre et vive la vie! Honte sur toi, vipère! Honte sur toi, vile créature! Honte sur toi, insensé! Honte sur toi, femme! Honte sur moi ou pas honte sur moi, si vous refusez de nous donner la paix, nous la prendrons. Avec quoi? Mais où sont tes armes? Pauvre femme! Pauvre riche! Nous disposons d'une arme secrète plus puissante et plus efficace que toutes celles que tu entasses dans tes arsenaux. Une arme irrésistible, et qui, elle, ne coûtera rien à la cité. Ça n'existe pas! Les hommes d'Athènes ne cesseront pas intimidés par tes fanfaronnades! Voulez-vous faire la paix de votre plein gré? Jamais! Vive la guerre! Alors, tant pis pour vous. Femmes d'Athènes, écoutez-moi bien. Lorsque vos maris ou vos amants, quelquefois les deux, reviennent goûter pendant quelques jours les plaisirs d'une paix éclair. Ils vous demandent, le plus souvent ils ne vous le demandent même pas, de leur donner ce que seul vous pouvez leur donner. Le meilleur de vous-même, le meilleur et le pire. Et le lendemain, épuisés mais repus, ils repartent. Pour une guerre dont ils ne reviendront peut-être pas. Et vous vous retrouvez de nouveau seul dans votre lit désert. Eh bien, il ne faut plus vous prêter ainsi au délassement des guerriers. Refusez-vous, résistez à leurs assauts et interdisez-leur l'accès de votre personne.
écoute. Et Paris-Rose qui ne dort que d'un œil, jurons ensemble, solennellement, de demeurer chaste jusqu'à ce que la paix s'ensuive. Par Aphrodite et Paris-Rose. Cinq heures tout seul dans le temple d'Athéna. Et en plus, c'était plein de fourmis rouges. Trois heures d'effort pour me détacher. Deux heures d'acrobatie pour en sortir par les toits. Mais pourquoi ne m'as-tu pas attendu? Tu es toujours pressé. Bah, j'y serais encore. J'avais beau crier, hurler, personne ne m'entendait. Tiens, voilà le résultat. Mais comment vais-je faire demain pour lancer mes ordres? Une, deux. Ah, marche. Sans voix, un chef perd son autorité. C'est gay. Qu'est-ce que c'est que celui-là? Les pigeons sont faits pour moi. Non, c'est un pigeon spartiate. Alors qui crève? J'ai sommeil. Dis-moi, cette histoire de grève de l'amour, c'est un caprice, une farce, non? Quand repars-tu? Demain, à l'aube. C'est parole qu'on te prête. Tu vas les démentir par tes actes, non? Non! Retire ta tunique. Ah, je savais bien que ce n'était pas vrai. Je vais oindre ton petit corps d'huile d'olive douce. Bien. Oh, tu sens le cuir. Ah, bon. Le ragoût d'oignon. Oh, quoi? Le bouc et le massacre. Quoi? Cette odeur de guerre. Quoi? Oui, je sens le général, c'est une odeur épique. Oh. ton point faible. Si Sparte le connaissait. Pourquoi ris-tu? Je pense à ces abrutis qui ont cru que vous alliez vous priver d'amour et c'est ça qui nous gouverne. Quelle époque! Tu l'aimes, ton général? Mon général? Je n'ai pas épousé un général. J'ai épousé un joli garçon. Au lit. Ce n'est pas au général que je me rends. Qui nous verrait constaterait que de nous deux, le stratège n'est pas toujours le général. Là, c'est moi qui commande. Mon général? Jusqu'à ce que tu t'endormes du bon sommeil de la défaite. De la défaite! La défaite! Ne prononce jamais ce mot-là devant moi! Touchons les marbres! De la défaite! Tu as de ces mots! Pas la défaite! La victoire! Ou la mort! Oh, pauvre petite! Si je mourais, je ne serais plus là pour te consoler. Oh, rassure-toi! Je serai brave devant la mort! J'entends que ton tombeau soit le plus beau de toutes les lades. Et que pleureuses et joueurs de flûte forment derrière tes glorieux restes un cortège inoubliable. Allonge-toi. Allonge-toi! Je parfumerai moi-même ton cadavre. Oh, si. Je veux que tu aies la plus jolie des veuves inconsolables. Plus tard, je raconterai tes exploits à mes petits-enfants. Quels petits-enfants? Ben, les enfants de mon fils aîné. Mais quel fils aîné? Le général! Celui que je me serais fait faire par mon second mari. Car moi aussi, j'accomplirai jusqu'au bout mon devoir de fertile athénienne. Oh, allons, assez de bêtises. Mieux vaut pour l'instant s'occuper de choses plus sérieuses et plus urgentes, mon amour. Ah, Callias! Tu étais là! Oh, tu vois? Qu'est-ce que tu veux? Je te cherche partout! Nous avons fouillé toute Athènes sans le trouver. Oui, bon. C'est inouï! Oh, quelle journée! Enfin, ça suffit! Je me souviendrai de cette victoire. Le gouvernement est sans dessus-dessous. Oui, ça va. On te croyait enlevé par les Spartiates. Enfin, tu es là, tu es vivant. Oui. Je suis sauvé. Viens. Nicéphore nous attend. Nicéphore, mais je le quitte à l'instant. Je suis allé au Prytané, j'ai vu tout le monde. Va-t'en, j'ai mieux à faire que de t'écouter. Mais non, mais écoute-moi! Je veux que tu t'en ailles. La paix. Tu entends, je veux la paix. Mais écoute-moi. La paix! Ah, tu es bien comme ta femme, toi. Lily. 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 Petite garce. Chloé, si j'allais avec toi, peut-être aurais-je plus de chance que toi de convaincre les femmes spartiates. Es-tu folle? Oublies-tu que tout Athénien pris sur le territoire de Sparte risque la peine de mort? Mais moi, je ne risque rien. Je suis spartiate. Et toutes les femmes de Sparte pensent comme nous. Quand seras-tu là-bas?
À la nouvelle lune, juste pour l'assemblée du parc. Conséquence, si tu réussis, Périclès sera là peu de temps après. Je te l'enverrai aussitôt. Tu entends? Ne t'arrête pas en route, hein. Au revoir, Périclès, au revoir. À bientôt, Périclès. Tu ne sais pas ce que c'est, toi, que de vivre 34 longues nuits sans toi, jour non compris. Aphrodé, réponds, dis-moi quelque chose. Pourquoi ce rideau de bronze entre nous? Mais tu n'es pas une femme du peuple, toi. Cette guerre ne t'atteint pas. Alors de quoi te plains-tu? Et si ma fabrique d'armes ferme ses portes, qui t'offrira ces bracelets, ces pendentifs et ces diadèmes qui donnent tant de prix à ton corps, Aphrodé? Mon enfant, aux yeux de biche, faisons un échange. Que veux-tu que je te donne contre toi? Des pendants d'oreilles, un collier, hein? Quoi? La paix, mon chéri. À l'orage et nuageux. Oh. Alors, Georgias, toi aussi? Oui, moi aussi. Encore 8 jours de ce régime et je deviens fou. À moins que l'un d'entre vous ne veuille me prêter main forte. Georgias, tu perds toute dignité. Autant nous proposer d'aller chercher chez les courtisanes je ne sais quel méprisable dérivatif. Chez les courtisanes? Ah non, ça, jamais. Ah non, alors. Quels que soient les torts de nos femmes, je ne romprai jamais les nœuds sacrés de l'hymen dans ces lieux infâmes. Les courtisans. Quoi? Quoi? Thank you.
Trop courte est la vie, et plus courte encore notre jeunesse. Oh, je te supplie, en notre nom à tous, de nous délier de notre serment. On ne peut tout de même pas passer toutes ces nuits à dormir. Mon corps est peut-être de marbre, mais ma chair est faible et le désir me tisonne. Tu entends, Lysistrata, j'ai résisté de mon mieux. Je me croyais fort. Oh, à qui feras-tu croire que les caresses de Cratidès te manquent? Qui parle de Cratidès? Quelle plus grande preuve de fidélité peux-tu donner à ton amant? En te refusant à ton mari? Mon amant est arrivé ce matin et repart demain au combat. Aurais-je la cruauté de lui refuser le don de ma personne? Égoïste! Un militaire privé d'amour perd ses vertus guerrières. Croyez-moi, le jour où les héros ne plieront plus aux femmes sera un grand jour pour la paix. Si mon amour est plus fort que ma volonté? Le corps n'est pas tout. Ah oui, je voudrais bien voir la tête que tu ferais si tu te réveillais sans corps un beau matin. Et toi, quel visage sera le tien le jour où ton amant aura été tué en défendant la liberté contre un autre défenseur de la liberté? J'aime Callias autant que vous aimez vos maris. Mais se roulerait-il à mes pieds que je n'ouvrirais pas ma tunique d'une agrafe? La paix d'abord, l'amour ensuite. Chut! Taisez-vous. Quand on parle de Sparte, Sparte est avec nous! Chloé a triomphé! Voici le héros annonciateur de la victoire. À Sparte aussi, les hommes sont privés de dessert. Oh, voyez! Les pigeons nous donnent l'exemple! Périclès aussi a fait la paix avec Sparte. Il y a même fondé un foyer. Vive les oiseaux! Vive la paix! Vive la paix! Vive la paix! Vive la paix! D'Athènes. Ah, enfin! Confidentiel. Pli secret. Signé Nicéphore. Mais le document est illisible. C'est pour le cas où il serait tombé entre les mains de l'ennemi, noble héros. Mais j'en sais le texte par cœur, au fils d'Apollon. Je t'écoute, ô messager. Héros chéri de Zeus. Bien. Illustre et impérissable Callias. Oh, très bien. Athènes t'ordonne d'attaquer immédiatement et remporter éclatante victoire ou périr glorieusement pour droit et liberté athénienne. Pétrie reconnaissante. De mourir à la guerre, moi, un général, laisser mon armée sans chef, jamais. Continue. Confidentiel. Civil mal incapable de tenir plus de 24 heures. Morale critique, situation désespérée. Ah, eux aussi. Que faire? Vaincre ou mourir un périssable mortel. Je ne crains ni la bataille, ni le fracas des chars. Mais comment livrer combat avec une armée de soupirants et d'amoureux transis? Mais Nicéphore attend ta réponse. Décide, valeureux Callias. Je vais moi-même la porter à Athènes. Tu fuirais le combat, farouche guerrier? Au contraire, pauvre son. Je vais livrer la dure bataille de Lysistrata. Puisse-t-il sortir vainqueur de cet ardent corps à corps? Tu es là, mon n'es-tu pas resté dans mon rêve? La place d'un général n'est pas dans un rêve. Avant de me prendre par surprise, réponds-moi. M'apportes-tu la paix, oui ou non? Presque. Oui ou non? Écoute-moi, Lysistrata. La paix d'abord, l'amour ensuite.
Tu as, par ton exemple, démoralisé et l'armée et les civils. Eh bien, ça, c'est un crime qui relève de la hache. Je t'offre une occasion pour te racheter. Une fois pour toutes, je te somme de céder immédiatement et sans délai pour l'édification du peuple athénien. Non! Je ne violerai pas mon serment. Lily! Ouvre! Ouvre ou je défonce la porte. Lily! Lily! Mais ne reste pas là, si quelqu'un nous voyait. Oh! Il verrait que je tiens parole. Mais écoute, Lily, écoute. Tu ne m'aimes donc plus. Oh, si, justement. Je ne veux pas que tu meurs comme un imbécile d'une flèche perdue. Mais chérie, je ne risque rien. Oh, oh mon pauvre chéri. Oh. Oh. Oh, tu ne t'es pas fait mal au moins. Donne-moi ta main. Oh, ce n'est rien. Oh. La branche a cédé. Oh. Imite-la. Non, jamais. Mais Lily, où vas-tu? Lily, Lily. Mais c'est ridicule. Tu vois, nous sommes arrivés là où je voulais te mener. Jamais tu ne trouveras meilleure occasion de faire la paix tout en servant ta gloire. L'histoire est remplie de généraux qui ont gagné des guerres. Tu seras noyé dans l'ombre. Autrement rares sont les généraux pacifistes. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas, la place est libre. Profites-en. Déclare la paix et regarde-les. Faute d'amour et de femme, ils plaident toutes les nuits. Ils attendent impatiemment ton premier échec pour te les avouer. Devance-les. Le temps presse. Va, va vite. Ne gâche pas ta chance, imbécile chéri. Mais voulez-vous vous taire? Athéniens, avant de jeter dans la bataille l'élite de la cité, votre général a tenu à prendre ses responsabilités en vous mettant courageusement devant les vôtres. Oui. Oui, de ces responsabilités, vous les connaissez, aussi bien n'insisterai-je pas. Ne faisons pas davantage le jeu de l'adversaire en remportant une victoire qui ne grandirait que le vaincu. Croyez-en, votre général. L'intérêt supérieur de la patrie nous commande de faire brutalement une paix imprévue avec un ennemi décontenancé. Et de montrer ainsi au monde qu'Athènes n'est pas à une victoire près. À vous de choisir, à vous de décider de votre destin. Les vainqueurs de Marathon, de Salamine et de Pratie ne craignent pas les périls d'une paix toujours prématurée. Je propose donc l'envoi d'un ambassadeur à Sparte, Callias. Et que les lâches qui s'y opposent lèvent la main. Attention, imbécile! Imbécile toi-même, tu as du miel dans les yeux? Mais par Zeus, tu es spartiate? Parfaitement. Que viens-tu faire ici? Vous proposez la paix, que ça vous plaise ou non. Indique-moi l'assemblée du peuple. Tout droit et à gauche. Ah, les femmes. À qui le dis-tu? Et c'est ainsi que la paix régna enfin sur l'Hellade, apportant avec elle la joie, le travail, l'amour, l'abondance, la fécondité. Mon pauvre chéri, la guerre est finie. Et la promesse de temps meilleurs encore. Tu es heureuse, hein? Tu l'as eu, ta paix. Mais moi,
Qu'est-ce que je vais faire maintenant, moi? Oh, mais mon chéri, comme tous les généraux, de la politique.